voici un justement, il habite l'Île-Dieu, il est juste en face. C'est Benjamin Dutreux sur Omnia Water Family. La Water Family, c'est son credo, c'est une association qui est là effectivement pour sensibiliser sur les dégâts liés à la pollution et au réchauffement climatique. Pour sensibiliser les petits et les grands, on salue Bernard Crépel qui est dans cette association. Benjamin Dutreux, il dit « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je suis un gros dormeur et je ne suis pas du tout solitaire. Il faudra me gérer moi-même et trouver mon rythme avant de voir comment lutter avec les autres. » Voilà, voilà un jeune nouveau venu sur cette aventure avec à ses côtés Thomas Cardin qui l'a aidé à créer le projet de toutes pièces avec notamment des participations lors de la Transat Jacques Vabre. Il est né dans le Nord et maintenant sa vie c'est la voile et le rêve devient réalité avec ce Vendée Globe. Je sais pas, il a dans les mains c'est quoi, c'est de l'eau, c'est pour symboliser le Water Family. Exactement. Qui d'ailleurs est une super association qui fait un énorme travail aussi bien avec les jeunes qu'avec les adultes sur la question de la pollution. Avec ce créneau justement du flocon à la vague. Voilà. Comment est-ce que de la montagne l'eau descend jusqu'à la mer? Joli comité d'accueil. Incroyable le comité d'accueil, je dirais même. C'était émouvant de, voilà, quoi, d'arriver sur ce ponton, de rejoindre votre bateau pour votre premier tour du monde. Bah oui, c'est super émouvant, j'ai la gorge bien serrée. Voilà, c'est incroyable de voir toute mon équipe ici. Voilà. Ils ont été assez incroyables. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un surcroît d'émotion parce que vous êtes un des régionaux de l'étape, on va dire? Je dirais pas ça, je pense qu'il y a un surcroît d'émotion pour tout le monde qui est au départ d'ici. C'est plutôt voilà, de voir tout ce travail qui a été fait avec, avec toute mon équipe, mes parents, toute l'équipe, les sponsors, toutes les difficultés qu'on a eues pour être ici au départ. Voilà, maintenant il faut que j'arrive à faire passer les émotions parce que on n'a pas fini, de remplir les étapes. Il reste des cases à cocher et il faut qu'on soit à l'arrivée maintenant. Donc voilà. Et juste dire merci. Et ben bon départ déjà. Merci. Il y a un truc qui est quand même extraordinaire sur le Vendée Globe, je trouve, c'est que ça change les gens. Et il y a des gens qui se battent, mais avec une force, pour être là au départ déjà. Et je pense à lui, je pense aussi à un gars comme Cali, Arnaud Boissière, qui s'est toujours battu. Il n'a pas fini le Vendée Globe, qu'il est déjà alors que financièrement c'est compliqué, en train de se battre et de dire en tapant fort du poing sur la table je serai présent et de jamais lâcher le morceau. Je suis vraiment admiratif de ces gens qui avaient juste leur bonne volonté, arrivent à organiser tout ça, quoi.